Oui, il faut peut-être que j'ouvre le micro aussi. Ça peut aider. Bonjour à toutes et toutes, j'espère que vous allez bien. Oui, alors pardon pour ma prise d'antenne ultra tardive. Parce qu'en fait, je voulais initialement jouer à Lasterite, reprendre le, vous savez, le jeu avec les morts-vivants là. Où j'étais coincé au 7e niveau sur les 10-11 là, et je voulais le finir. Et l'horreur. En fait, j'ai réussi à lancer la version Steam en américain, mais souvenez-vous, la dernière fois, j'avais trouvé une astuce pour pouvoir y jouer. Mince, j'ai pas le chat. Pour pouvoir y jouer en français. Le problème, c'est que je retrouve pas du tout dans quel endroit j'ai mis le jeu que j'ai retravaillé pour qu'il soit en français. J'avais fait des manips techniques. Et je retrouve pas non plus mon lot de sauvegarde. C'est-à-dire que si je reprends mon truc de Steam, je suis coincé au niveau 5, alors que je suis censé démarrer le 7. Et faire un niveau dans ce jeu-là, c'est long, hein. C'est une demi-journée. Donc, pas cool, quoi, dans l'histoire. Et... Oh, tant pis, je prends le risque de mettre le truc comme ça. Moi, ce qu'il me faut, c'est le chat. Voilà, comme ça je peux vous voir et normalement vous devez voir mon... Bonjour Tunsen, bah tu tombes bien, bonjour Tunsen. J'espère que tu vas pouvoir me confirmer que tu vois le Lara Croft là, mon menu inventaire avec l'horloge, enfin le petit chronomètre. Parce que j'ai eu plusieurs pépins techniques tout à l'heure et je sais pas pourquoi ça marche pas à tous les coups la capture de ton raider. J'ai à un moment il me laissait mon bureau Windows. Alors que j'avais bel et bien l'écran Tomb Raider, j'ai pas compris pourquoi la captation se faisait pas. Donc du coup j'ai les boules. Tu vois tout pour le moment. Merci Twinsen. Bon bah c'est bien, je touche plus à rien parce que là ce matin c'était incident technique sur incident technique. D'où ma prise d'antenne tardive, je suis désolé. Bref, du coup tout ça pour dire que je sais pas quand est-ce que je reprendrai l'Asterix. Il faut déjà que je remette la main sur dans quel endroit j'ai mis mes sauvegardes et la version française du jeu. Moi ma crainte c'est d'avoir mis ça sur une clé USB et que j'ai oublié et que j'ai effacé. Le truc catastrophique. Enfin je vous tiendrai au courant, mais du coup d'avoir voulu tenter de refaire l'Asterix ce matin. Ça m'a mis la puce à l'oreille quoi. Donc du coup on va poursuivre l'histoire de Lara Croft. Alors Lara Croft, je vais avoir plein de trucs à vous dire. Donc idéalement finalement j'espère finir cette extension de Tomb Raider 3 ce matin. Il reste ce niveau là plus un petit derrière. J'ai regardé très rapidement ce qu'il me restait à faire sans évidemment tricher et regarder la solution en soi. Mais je voulais me faire une idée en fait de la durée. Donc avec un peu de chance à midi on a fini l'extension. Ce qui fait que je reprendrai en début d'après-midi vers 14h et des boîtes avec le 4, ce qui est pas plus mal finalement. Voilà, voilà. Et je sais plus du tout, il fallait aller dans le zoo. Oui, donc j'ai l'artefact précieux. Je suis devant la cage des singes. Mais là je suis là en tant que visiteur pour le coup. Je sais plus d'où je venais. Ouais, je pense pas que je me sois glissé dans le. Ah bah non, c'est une grille. Je peux pas. D'accord, quand on voit la serrure, ça veut dire que je venais fraîchement d'arriver dans le secteur. Donc il faut que je prenne évidemment la direction opposée. Ah, j'avais même pas vu qu'il y avait une manette, tiens. Elle bien fait de revenir. Je vais voir ça sous la tronche. Je n'ai aucune idée de ce que je viens d'actionner, puisqu'il n'y a pas eu de point de caméra. Ah, si, c'est vers la grille là du. D'accord. Là, à mon avis, j'entre dans le territoire des singes. Ou d'autres choses. Donc, oh, j'ai cru voir un tigrou.
Je sais pas si c'est des. Si on peut passer ou pas en fait. Au niveau de la déco, c'est pas évident. Donc elle le vise pas, c'est qu'il n'est pas à portée. Oh, sympa ça. Ça me plaît bien. Ouais, non, ça compte pour un mur. Bien que translucide, ça compte pour un mur. Ce qui, évidemment, est totalement surréaliste. Puisqu'on pense bien que ça ferait bien longtemps que le félin aurait sauté au cou de la rat pour la bouffer. Mais bon. C'est beau en même temps. C'est vachement bien fait. Merde, je me suis mal positionné. Alors, c'est classe. Pour dire ce qui est. C'est vachement bien fait. Bon, à mon avis, c'est un petit coin secret bonus de la récompense de la grosse couche de soins. Et à mon avis, il va être vite sollicité. Oula. Oh, une étoile noire. Il y a une histoire de jeu de la nuit là. C'était vraiment énigmatique comme. D'ailleurs j'ai. Oh. Oh. Ah oui, elle pointait sur le tigre au moment où il est comme une autre. Hein. Bref, tout ça pour parler de l'histoire de Lara Croft là. Pourquoi il me. Je vois pas l'intérêt d'avoir l'image de. L'histoire de Lara Croft, on est passé à côté de plein de trucs parce que une fois que j'ai fini les niveaux, je prends un malin plaisir de regarder ce qu'a fait Morlock et Vieux Jeux sur sa chaîne YouTube. Donc je vous recommande vivement d'aller voir. Morlock et Vieux Jeux, c'est quelqu'un qui fait des Tomb Raider en intégralité, même l'extension, là justement il l'a faite sur PC. Il est vachement bien. Il fait tous les secrets et tout, et un petit. Les petits ponts, ouais, oui, pas mal. Sinon ce serait pas drôle. Merde. D'accord, j'ai tout faux. Je voulais courir évidemment sur le pont, mais.
J'étais pas dans l'axe. Bref, tout ça pour dire que j'ai regardé ce qu'a fait dans les premiers niveaux de l'extension, les deux premiers sur les 6. Là, actuellement, on est au cinquième niveau de l'extension. Rien que les deux premiers, je suis passé à côté de plein de trucs en fait. Il faut savoir déjà que le domaine en Écosse où on arrive avec les belles pierres là, c'est le domaine du mec qu'on a tué, qui était l'homme araignée à la fin du 3. C'est horrible ce qu'elle fait là. Sur sa dépouille, elle découvre dans ses affaires, du moins en Antarctique, qu'il avait gardé un cinquième artefact qu'il avait découvert dans son domaine en Écosse. Ce qui motive donc l'extension, l'existence de l'extension. Et oh, il doit y avoir un truc comme ça. De toute façon, j'y retourne accidentellement, comme ça c'est fait. Donc, les ruines en Écosse, c'était le domaine du mec. J'ai loupé pas mal de zones, entre guillemets bonus, avec des mecs en kilt. À un moment, on avait vu brièvement un gars en kilt dans je sais plus quelle action de Lara. Et il y en a plusieurs en fait, c'est des gardiens qui gardent le domaine du sinistre individu. Il y avait déjà une astuce complètement tirée par les cheveux, comme on l'a vu hier, là, le coup de il fallait voir là où c'était un peu luminescent au fond de la grotte pour accéder à la faire tomber la trappe et accéder là où on est sur normalement l'île de la Réunion en France. Je suis même plus certain maintenant. Parce que j'ai essayé de confirmer cette information, mais j'ai pas retrouvé le site que j'avais trouvé à l'époque. Donc du coup, je suis dans le doute. Bref, j'essaie désespérément, mais. Oula, pas plus. Ah, maintenant que je suis con, c'est une grille. Je mémorise même pas ce que je suis en train de faire. Oh, je vous parle, je fais n'importe quoi. Et le monstre du Loch Ness. Non, mon propos est décousu. Je disais qu'il y avait un autre endroit où il fallait deviner, qu'il fallait. Vous savez, j'ai ramassé un artefact clé. D'ailleurs, je crois que c'est toi, tu as une scène qui m'a dit ramasse-le sur la table. Espèce de clé de cairn, là, le petit monolithe. En fait, c'était donc bel et bien une clé qu'il fallait insérer dans un mur de la propriété de l'intéressé. Et ça ouvrait un passage dans son grand jardin là. Je suis pas allé dans la zone, il y aurait eu plein de mecs en kilt qui auraient attaqué la Croft. Évidemment, publiquement, ils sont arrangés pour qu'on ne voit rien sous les kilts. D'ailleurs, je rappelle brièvement qu'il ne faut jamais demander à un Écossais ce qu'il a sous son kilt, puisque la tradition veut qu'il vous répondra qu'il y a The Murder Lipstick, traduisez le rouge à lèvres de votre mère. Ceci fait, je suis. Oh non, il la plante, je la connais pas, je suis pas passé par là. Oh merde, un pigeon. Oh, des pics! Oh la vache, c'est quoi cette zone? Veuillez excuser mon propos complètement décousu. Le monstre de Loch Ness, en fait, on peut l'approcher pour découvrir que finalement. C'est une machine, un robot. Lara Croft finit par rentrer à l'intérieur. C'est un intérieur de sous-marin, le soi-disant monstre du Loch Ness. Et en fait, c'est une bestiole, comme l'explique très bien Morlock et Vieux Jeu sur sa chaîne. C'est une machine conçue par l'infâme antagoniste de cet opus pour faire fuir les curieux sur son domaine. Je suis mort. Du moins, Lara. J'ai pas fait ce qu'il fallait faire. J'ai pas compris. Alors attends, il faut que je fasse un saut impérieux arrière. Voilà. C'est foutu pour foutu. Ah, puis merde, je recommence au début avec mon Jeanne d'Arc, moi. Oh, j'ai rien sauvegardé. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de Tomb Raider 3 par rapport à ce que je voulais vous dire dans le propos. Et encore, je vais peut-être découvrir que j'ai beaucoup de trucs parce que
Je me suis arrêté à la fin du deuxième niveau. J'ai pas pris le temps encore de regarder la soluce par rapport au vieux jeu du 3 et du 4e niveau. Et puis de la suite, là, le 5 que je suis en train de faire. Je vais très probablement, bien malgré moi, passer à côté de pas mal de trucs. Ah oui, j'ai pas su regarder ma trousse de soins. Ah bah j'y retourne et oh, c'est trop précieux la trousse de soins. Même rien que le fait d'admirer le beau félin, ça vaut le coup. Et puis cet après-midi, on devrait démarrer le 4. Alors le 4, pour tout vous avouer, on va commencer par... Je peux pas appeler ça une extension. Je vais commencer le 4 par un niveau bonus. En fait, c'est une excellente introduction à Tomb Raider 4 avant de se lancer véritablement dans le jeu. Pourquoi? Parce que c'est un niveau qui a été édité en collaboration avec le journal anglais The Times. Et je vous réexpliquerai tout à l'heure en début d'après-midi. Mais... Attendez, j'essaie de provoquer des félins, je sais plus par où qu'ils arrivent. L'arrivée des fous. On en sort plutôt bien. Alors, le truc au macaque, c'était par là-bas, c'était le fond. J'en reparlerai à l'intro du 4 en fait. Donc c'est un niveau qui a été conçu en collaboration avec le journal anglais The Times. Je vous rappellerai tout fait historique quand vous parlerez d'un autre site d'impression de façon de macaque qui me prend la clé que je vais devoir buter. Il m'avait volé une trousse de soins, le salopard. Oh, l'autre, on dirait qu'il est mort écrasé par la porte. Un truc propre, net, réglo. Et j'étais passé où? Par en face. Donc je pense à sauvegarder. Voilà, je me lance là-dedans et je sauvegarde. Voilà. Donc non, il n'y a plus qu'à espérer que je garde un bon rythme. J'ai pas compris comment on faisait pour le... Pour ce passage. La question est déjà au niveau plafond, où est-ce que je peux voyager ? Il faut qu'elle soit agrippée comme ça. Merde, je peux pas regarder vers le bas. Ah oui, c'est ça. Attends, faut que je me laisse glisser sur la pente là. Et que je me rattrape en face. Enfin, je pense. Attendez, je me mets dans le bon sens et hop. Voilà, oui, c'est ça. J'ai un intérêt à faire ça, quoi. Je crois, j'ai l'impression que je peux m'agripper aux grosses lianes qui sont sur le côté. La texture le suggère, du moins je l'espère. Eh ben non. Parce que c'est la mort là, Eo. Mais je peux pas me laisser chuter, les pics sont trop proches, elle va se faire piquer le cul dans la chute. Je me trompe ? Je veux pas lâcher, au secours. Oh. Oh, 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 oh.
J'aurais pas cru. Je n'aurais pas cru. Alors, on va marcher tout gentiment. Je vais regarder ce que j'ai. Ah merde. D'accord. Ok, je crois que le petit gros a compris d'où est-ce que je vais débarquer. Sauf qu'il laisse pas. Il est pas con. Oups. Merde. Il me nargue, il me nargue. Il me nargue. Non mais la fenêtre est trop étroite pour que je puisse. Ça va durer 5 heures là si je prends la méthode là. On va se faire mal. Non, même pas. Oh. Par contre, faut surtout pas que je tombe renversé par le félin. D'ailleurs, si je suis obligé de l'exploser, on va passer à ça. Oh, magnifique! Je l'ai très bien géré. Mais j'adore les décors, hein. C'est vraiment plus original. C'est extra. C'est un régal cette aventure. Le bout en bout. Non. Merde. Elle va flinguer tous les spécimens du zoo. Non. Oh, il y a un truc carnaval à Venise là quoi. C'est quoi cette image? Ah, c'est un valet de cartes à jouer. Alors, c'est illisible, mais c'est un valet de cartes à jouer. Je reconnais. J'aime ça. Pâtisserie, oui, non, mais on est en France, hein, y a plus de doute. Hein. Droguerie, pâtisserie, j'arrive à lire. Donc on est bien sur l'île de la Réunion. Ce qui est un truc de maboule, ça veut dire que elle est partie du tunnel sous la Manche, donc de la Manche, et elle s'est barrée. Ah, la bonne blague. Et elle s'est barrée. Elle a fait avec son canoë, elle a fait un énorme voyage. Partir de la Manche, traverser l'océan Atlantique du sud au nord. Pour. Non, du contraire, du nord au sud. Pour aller au Cap de Bonne-Espérance, la pointe de l'Afrique, pour remonter vers l'océan Indien et arriver à l'île de la Réunion. C'est. Waouh! En fait, son périple sur les eaux a duré des jours et des nuits. Quoi. C'est magnifique, j'adore le. Merde. Ce qui est horrible, c'est que le singe avait pas été spécialement hostile contre Lara, mais comme j'ai peur qu'il me vole du matos, je les explose. Oh là 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 là, ce régal, au niveau des textures, de l'ambiance, de l'atmosphère posée, cette eau de lagon, oh, on a envie d'y passer ses vacances. Ça fait pas carte postale ça? Oh, c'est sublime. Là aussi, faites-vous une capture d'écran. Donc c'était la grille en face. Donc je retourne dans le. Bah là, ça, on voit que c'est la litière du félin. Bonjour Dragon Sky! Oui, d'ailleurs, le domaine du félin que j'ai pas du tout exploré. J'ai peut-être plein de trucs qui. Oh!
Il y a un mec qui est mort. Il avait rien sur lui, le macaque. Je crois pas. Hein. Ah si, il avait une trousse de soins. Qui est tombée dans la plante en fait. Pop. Je suis tenté d'aller voir en face s'il n'y avait pas un truc. Ça a beau être qu'une case, il y a peut-être un truc dedans, non? Non, non, il n'y a rien de rien. Donc j'ai testé hier soir le niveau bonus offert par le journal anglais sur Tomb Raider 4. Et je vous avouerai que par deux fois j'ai dû regarder la soluce pour finir ce niveau bonus. C'est parce qu'en fait, le Tomb Raider 4 va... C'est quasiment une révolution en fait avec Lara Croft. Évidemment, elle est de plus en plus magnifique et détaillée au niveau corporel. Ah bah tiens, le mur est escaladable là donc. Mais il y a plein de... Il y a de nouvelles techniques, il y a des nouvelles façons de jouer. Et là, ça va être un festival arrivé dans le 4 aux éléments destructibles et il va y avoir davantage de verticalité. Je reviendrai dessus tout à l'heure quand je le ferai cet après-midi. Alors, Dragon Skakini, ça va, je suis juste un peu fatigué car j'ai regardé le catch américain la nuit dernière à 2h heure française. Oui, t'as fait comme Edge, FunFan et compagnie. Il y a FunFan qui a eu l'élégance de m'écrire un message peu avant 6h du matin en me disant je me couche seulement maintenant, j'arriverai à je sais pas quelle heure sur ton antenne tout à l'heure. Il passera dans l'après-midi, c'est pas grave. Là, je termine l'extension du 3. Je pense que ça va me tenir en haleine jusqu'à midi. Et je relancerai mon signal vers 14h tout à l'heure pour Tomb Raider 4 jusqu'à peut-être 20h-21h histoire qu'on en profite un max. Je voulais absolument faire un lundi férié spécial Tomb Raider. Bon, apparemment le tube de chute. Je sais pas ce que c'est. C'est des munitions Uzi, si je ne m'abuse. Ah, il y a un truc que j'ai bien aimé. On le verra cet après-midi dans Tomb Raider 4. C'est que quand on ramasse un objet, on le verra tournoyer en 3D en bas à droite. Et ça, c'est classe. C'est vraiment classe. J'ai beaucoup aimé. Je me suis laissé impressionner dans le premier objet ramassé. Dans le niveau Tomb Raider 4. Et non, franchement, régal. Parce que c'est vrai que plus d'une fois, vous m'avez vu me poser la question, mais qu'est-ce que j'ai ramassé? Sans véritablement savoir, ouvrir le menu. Ouvrir le menu. Et essayer de trouver quel est le nouvel objet que j'avais en ma possession, quoi, dans l'inventaire à Lara. Bon, c'est un petit bonus mission Uzi. Je suis condamné à... me repromener sur le bazar à pic. Là je pense que je peux me précipiter, j'espère rien. Je retrouve la litière du félin. C'est quand même sadique de... Ouais, enfin on voit que c'est le couloir d'entretien des responsables du zoo, mais de voir la cage des singes si proche de celle du félin. On devine que plus d'une fois le félin a dû voir passer devant lui des singes en disant toi je te bouffe bien. Ah merde. Ah attends. Oh. Ah merde, il y a des piranhas. Ah bah elle est morte. Attends, il y a un truc au fond de l'eau, il y a des piranhas dedans, c'est dégueulasse. Ah bah elle est pas mal celle-là. Je n'avais pas sauvegardé depuis longtemps.
Donc tout est à refaire. Je me dis, oh, le plaisir. Non, là j'ai pas compris le coup de la. C'est un piège, non? Oh là là, comment qu'il est mort comme un caca le singe. Oh, une place de l'île de la Réunion. Moi je dis, on est à Saint-Denis. Mais où est le piton de la fournaise? À quel moment il y a un macaque qui était venu me courser là? Je sais déjà plus. Je sais qu'il va se pointer. Le salopus c'était peut-être là quand j'allais là. Parce que là il y a que les grilles donc je peux rien faire. C'était plus tard. Ah non. Carnage au niveau des macaques. Oh, la vache. En plus là ils étaient en mode courage pigeon, donc pas on va essayer de les choper un peu. Donc je vais retourner chercher les munitions d'Uzi parce que pour peu que je fasse face à un boss à la fin, je serais bien content d'avoir des munitions. Facile de passer par le dessus. Merdome. Voilà, maintenant on se calme et on y va à pas feutrer. Mais il n'y a pas de pic en bas, je peux sauter comme un dératé. Ouais, génial, je l'ai blessé. J'ai merdé mon saut. Non, attendez, c'est où ce que je fais? Ah non, il n'y a pas de pique, c'est vrai. C'est vrai, la première balle, il n'y a pas de pique. Voilà, je laisse lui passer ses jambes, histoire qu'elle soit plus rapide et qu'elle grimpe sur le mur comme une araignée. Voilà, merci Lara. Je vérifie que j'ai rien oublié en contrebas. Il n'y avait rien d'autre. Non, à part la végétation, il n'y avait rien d'autre. Et j'ai souvenir qu'en bas de la litière du félin, il n'y avait rien en fait. J'avais rien ramassé. Je regarde le catch américain quand j'ai l'occasion, comme aujourd'hui, c'est lundi de Pentecôte. Heureusement que je travaille pas à ce jour. Ouais, bah ouais. T'as bien raison de te faire plaisir, ça là-dessus, c'est pas moi qui vais te contredire, Dragon Sky. C'est pas moi qui vais te contredire. Ah, une petite trousse. Hop là. La jungle. Alors je vais le garder là, parce que j'ai pas compris. Le coup du bassin piège avec les piranhas dedans, sachant qu'au fond il y a un objet. C'est une vanne du développeur, là, quoi. Là, je vois ça. Bon. Franchement, je trouve ça bizarre le coup du. Ah ouais, elle se fait bouffer. Mais c'est d'autant plus étrange qu'on voit les piranhas arriver de l'extérieur du bassin. Comme si le mur était. Avait pas de physique en fait. Ça veut dire que les piranhas à la base ils sont dans le bassin là. C'est ça? Là, elle se fait pas courser par des piranhas?
Je comprends pas. Ah, les v'là. Voilà, là elle se fait courser, elle se fait bouffer d'ailleurs. Elle se fait rattraper, elle peut pas lutter. Bizarre. C'est vraiment bizarre. Parce que là j'ai pas de lien suspendu, hein. Je peux pas faire comme dans le niveau de la jungle. Avec le vélociraptor qui était au bout d'une corde que je balançais dans le bassin piranha pour pouvoir faire diversion. Bien. Voilà. Donc les autres vont me mettre la main dessus. Ah, elle est morte. Le temps que je ramasse le truc, elle est morte. Je comprends pas. Ou alors il faut que j'aille à un moment précis. Il faut que je repère les piranhas. Où ils sont. Et que dès qu'ils sont le plus loin possible, je fasse le mouvement parfait dans le bassin. Pour revenir sans mourir. Sinon je comprends pas. Mais le problème c'est qu'à partir de là, où est-ce que je peux voir la position des piranhas? Ah si, ils sont là. Je les ai vus bouger. Oh là là. Putain, c'est bon, c'est balèze. Ils font quel mouvement, ce qu'on appelle pattern techniquement en anglais. Quel chemin parcourt-il de programmer? Quand ils sont là, c'est le moment d'y aller ou... Oh merde, la bonne blague. D'accord, je suis pas du tout allé au bon moment. Non, mais ils sont déjà là. Elle est foutue. Hein. Ah, j'ai même pas le temps de me saisir d'une trousse de soins. Non, 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 mais c'est un piège. Bon, je vais essayer de continuer le niveau sans prendre l'objet parce que j'ai l'impression que c'est une mauvaise blague des concepteurs du niveau. Je vais essayer de faire sans, tant pis, c'est peut-être un secret tiré par les cheveux de la part des concepteurs. Je sens que je vais voir Morlock et le jeu s'arracher les cheveux et pester sur son antenne. Par rapport au côté vicelard des concepteurs du niveau. Ah, c'est chronométrie en fait, d'accord. C'est pas la. Merde. C'est pas la géographie du lieu qui fait que tel cube elle met le pied dessus et ça ferme la porte. Non. C'est juste que je suis condamné au sprint. Presque. Là, ça se joue à rien du tout. De vicieux. Non, ça c'est l'étape d'après. Voilà. Je suis pas du tout dans le mouvement. Putain, mais c'est vraiment rapide. Et hop, je spin. Spin. Ah non. Je suis obligé de donner l'impulsion. J'ai pas le droit d'anticiper en appuyant sur la touche sprint. Voilà, et hop, et merde. Je me demande s'il faut pas que je fasse, que je provoque un roulé-boulé. C'est la même technique que j'avais employée chez elle pour aller dans sa pièce aux artefacts là. La pièce bien planquée. Merde, elle a fait un rebond de trop haut. Faut tout de suite qu'elle agrippe le bord du bordel. C'est vraiment un jeu de. Voilà. Hop, et rouleau. Merde, j'ai pas le temps d'appuyer sur le rouleau. Elle a pas fait son volet boulé. Oh, c'est chaud. Oh, les salopards. Et hop là. Mais... Bah... J'ai pas compris pourquoi... Attendez. Elle peut faire un volet boulé quand elle est en sprint, non? Ça vient pas tout de suite. Oh là là, faut le savoir que il y a un délai de. Voilà, et là tout de suite je m'en. Ah bah c'est passé. Je suis revenu. Ouf. Mais du coup je reviens à poil puisque j'ai. Ah bah non, je suis pas à poil, j'ai dit des bêtises. J'ai une clé.
Donc j'ai peut-être la clé de l'autre secteur hors zoo. Oups, elle s'est bien mangée la fenêtre dans la tronche. L'autre zone, elle était où? Je sais plus. La volière. Bah oui, ça doit être la volière maintenant. Bonjour Chris! Excuse-moi, j'avais même pas vu ton arrivée. D'ailleurs, j'ai même plus l'heure sur le pif. Si, ça va, tu viens d'arriver à l'instant. Salutations, j'espère que ça va bien pour vous. Je l'heure que du travail. Merci de ta présence, Chris. Oui, bon boulot à toi. J'espère que tu vas bien aussi. Moi, ça va, tranquille ou peinard, pépouze. C'est pas évident du tout. La volière. L'entrée de la volière. Alors, je sais pas s'ils ont des belles cours intérieures comme ça sur l'île de la Réunion, mais ça laisse songeur. C'est vrai que c'est un endroit paradisiaque. J'aime bien les couleurs chaudes avec toute la verdure. De voir l'espèce de végétal là au mur, je finis par me convaincre que l'arbre peut escalader tout ça et se barrer sur les toits. Mais non. Non, 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 non. Bon. Cartouche de fusil à pépon. Bon, je vais sauvegarder sur ce magnifique parterre de fleurs que Lara piétine joyeusement. Aucun respect. Parce que j'aurais peur de me recoltiner l'épreuve de vitesse. Attendez, c'est pas possible. Mais c'est la demeure d'un noble. Non. Regardez-moi ces grilles. Ah, c'est la place de marché, là, c'est le village. C'est le village. Oui, mais la volière, elle est où? Elle est annoncée ici. Ouais, c'est zoo ici. Donc, ça peut pas être la volière. Par déduction. Donc, où est la volière? J'ai dû louper le. Merde, elle se cogne, la malheureuse. J'ai dû louper l'entrée du bazar. Je dois avoir une serrure qui doit dépasser d'un mur, mais je l'ai pas encore repérée. On est bien d'accord. Il n'y a pas de serrure là. Merde. Mais le pire, c'est que avant-hier, lorsque j'y jouais, je me souviens que vous remarquez que j'ai pas retrouvé le début du niveau. À un moment, j'avais fait face en premier lieu à la volière en me disant, mais merde, ça ressemble pas à une volière, ça. Le sommet en haut. Ah non, c'est la jungle. J'ai pas l'air con. Oh, bonjour Christella. J'espère que tu vas bien. Merci de faire un petit coucou. Merci, merci, merci. Oui, justement, je fais un peu exprès. Parce que là, on est sur l'île de la Réunion, France, avec Lara Croft. Je viens de sortir du zoo et j'essaie de prendre le chemin de la volière, mais je sais plus où est-ce qu'elle est. Cette satanée volière. Oh là, il y a des trucs. Oh là! J'ai des fusils à pépon de chevrotine à ramasser. Tu as la même tenue que Lara en cuir noir aussi? Non! sans déconner, je ne pourrais pas supporter de porter du cuir, puisque le cuir tient énormément chaud. Or, je supporte pas la chaleur. Je suis à la mode d'occasion, donc non, je ne peux nullement avoir dans ma garde-robe des tenues en cuir. Ce serait du masochisme pour moi que de faire ça. Mais ça va bien, merci, j'espère que toi aussi, Christella. Merci tout plein. Ah. Voilà la volière. Ah, j'ai fini par retrouver le chemin. Superbe le hara en faïence là. Ouais, ça va très bien aussi. C'est cool.
Oui, c'était bien la volière que j'avais vue au loin. C'est magnifique, on dirait le. Alors ça, c'est un hommage, si je dis pas de bêtises, à vérifier, mais je me demande si c'est pas Gustave Eiffel. On reconnaît le style de la tour, très français. Je crois qu'il avait fait le marché des halles à Paris aussi, je crois. Une structure similaire. Je crois, hein. Mais j'ai un souvenir de ça. Parce que là, franchement, j'ai l'impression de voir une structure à Gustave Eiffel. L'ambiance, elle est extra. Merde, je suis tombé dans le bassin piranha! Non! Ah bon? La musique est si forte que ça? Attendez, je vais régler ça. Merci de la remarque, Chris. Attends. Faut dire aussi, la musique, elle est extra. Baladeur. Ah oui, effectivement. Effectivement, j'avoue ne pas avoir pensé régler le volume dans l'extension. C'est bien, il faut que je le fasse à la fin. C'est tout moi. Je peux me rebarrer par là. Donc du coup, je sais plus, je l'ai. Oui, je l'ai soignée là. Parce que là, elle était au bout de sa vie. Elle lui restait que 2-3% de vie. Il y a forcément un truc à ramasser dans la volière, mais où? Passe. Non mais je t'en prie, Chris. Il n'y a pas de souci. Ah bah, c'est l'arrivée de la volière, non? Ou c'est le point de départ, je sais plus. Ah non, l'artefact est là-bas. Ah, un outil super pratique qu'on va découvrir dans le 4. La paire de jumelles. Je me suis éclaté hier en testant le niveau spécial Tomb Raider 4 à découvrir la jumelle. C'est vraiment génial. Et méfiez-vous avec moi parce que je risque de faire du contemplatif puissance 2. Je risque de passer des bons moments sur des pans de niveau complets, à m'amuser avec la paire de jumelles, à cibler un élément du décor et à vous dire tout et n'importe quoi. Vous pouvez être quasiment certain que je vais vous le faire à presque tous les épisodes. Pour moi, ça va être un régal. Il est pas mal le monolithe au centre là. Ça me fait penser à l'arbre qui a des grosses racines là, dans les bassins. La mangrove, voilà, cherchez le nom. En dehors des palmiers, là je pense que l'arbre là, c'est de la mangrove. Par rapport aux grosses racines qui descendent dans la flotte, c'est ce que ça m'inspire. Oui, pas mal le monolithe. C'est quoi qui est représenté? Je sais pas si c'est un macaque, si c'est un lion. On dirait un. Ouais, un vautour en fait.
Apparemment, il y a vraiment intérêt à aller sur l'échelle là-bas. Je sais pas à quoi on va accéder. L'aventure, c'est l'aventure. Ah, elle va peut-être pas au sommet. Ça bloque. Ah non, c'est pas un obstacle. Hein? C'est une zone cadeau. Bizarre. Bon, je veux pas bouder les munitions bonus, mais l'endroit est assez particulier. Ouais, non, j'ai rien d'autre à attendre de cette zone. Qui a vraiment le mérite d'être étrange. Donc en face, j'ai très envie de la forcer à se suspendre à la fente qui lui fait face. Et voilà, c'est pas ce qu'il fallait faire. Donc je recharge. Je voulais juste bénéfice du doute, comme on dit. Je voulais être certain, armé de certitude, qu'il n'y avait pas de. De passage ou de choses à faire. Donc là, je pense que c'est trop haut pour elle. C'est logique. Surtout ne pas retomber dans la flotte. Le coup des piranhas, on s'en souvient. Que j'avais la distance, mais pas du tout. Lalalala, ça fait suer, je me suis planté. On y retourne. Ah! Et voilà. La punition d'être excité sur le bord de la rive. Voilà le résultat. Oh, c'est pour vrai. Oserais-je dire que j'ai le polygone mauvais? Non, bah non, elle est condamnée à faire avec elle. Hein. Je pensais qu'un petit saut suffisait, mais non. Ah, mais elle peut peut-être tout simplement escalader le monolithe en question. Il est peut-être suffisamment creusé. Pour qu'elle puisse y placer ses doigts. J'ai une furieuse envie d'essayer de sauter bêtement sur le. Mais j'ai pas mis les pieds par ici. Je vais sauvegarder, mais je crois qu'il y a quelque chose en bas. Je vois des munitions chevrotines pour fusil à pépon. D'ailleurs, tant pis, je vais re-sauvegarder en haut de la liste. Mais. Tout se défoule. Alors que j'aurais pu descendre tout doucement. Oh! J'ai entendu un piaf. Ou alors c'est la musique d'ambiance. C'est trop insistant. Non, non, il doit y avoir un vautour que j'ai déclenché. Attends, c'est bizarre, ça m'a l'air d'être un cube isolé. Non, il n'y a rien dedans. Génial. Les piranhas sont là. Ouais, non, il faut que je ressorte là-bas en face. Oh, joli! Elle est restée au sec. Oh non! Oh
Ah non, on peut pas. Ah ouais, c'est vraiment pas le bon secteur. Donc je me décale de côté et hop. Voilà, c'est dingue. Il n'y a pas de secret. Alors, la chute de l'aventure, j'avais dit escalader le monolithe. Voudoudou. Vrai ou faux? Faux. Merde. Elle peut pas l'escalader, donc la solution est ailleurs. Est-ce que la solution... Attends, comment faire pour atteindre ce... Je dois bien avouer qu'à y regarder dans l'immédiat, la solution ne me pète pas, ne me saute pas aux yeux. Ah, cet arbre-là. Je peux pas aller au-dessus. Il y avait vraiment rien avec l'échelle en bois, là. C'est trop bizarre. Il y a quelque chose de plus aérien dans le niveau, mais non, mais j'ai pas rêvé. Le truc, l'endroit était fermé avec la... L'échelle en bois, là. Elle peut s'agripper tout pleinement au... J'y crois pas. Je vais sauvegarder parce que là, pour le coup, j'y crois pas, mais il faut que j'en sois certain. Je pense pas qu'elle puisse s'agripper à ce qu'elle est en train de faire face. Essayons. Non, bah non. On va retourner à l'échelle. On va retourner à l'échelle, ça me bouffe. Ça me bouffe, ça me bouffe, ça me bouffe. Il doit y avoir un truc qui m'échappe. Mais finalement, je vais. C'est bien, je sens qu'on va même aller au-delà de midi. Je suis tellement lent à la détente que. Je vais déjà jouer les prolongations par rapport à. À la pause 14. Midi 14h que je pensais observer pour mon déjeuner. On est bien d'accord que cette surface là n'est pas escaladable. Pareil à côté, même si on voit des grosses racines, c'est non. Bon, ça au moins c'est exclu, c'est pas la bonne solution. Ça me donne vraiment le sentiment qu'il y a un oiseau qui est quelque part là, qui est... Voilà, pourquoi ne l'ai-je pas vu plus tôt? Un oiseau qui est coincé quelque part dans le décor et qui s'apprête à fondre sur Lara pour la becquer et potentiellement la griffer, quand on a vu les mastodontes de retour. Et oui, c'est ça qu'il fallait faire. Ah, vous vouliez voir de la verdure? Ne me dis pas que... Oui, donc ce serait abusé. Si j'aurais vu Lara mettre le pied sur les fines feuilles en suspension, là, j'aurais dit c'est complètement abusé. Non, 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 non.
Faut vraiment que ce soit quelque chose de sensé qui puisse supporter son poids. Il y a même d'ailleurs dans la narration, souvenez-vous, devant le je sais plus quel sauvage là, elle avait avoué qu'elle faisait régime. C'est la solution me saute pas aux yeux. On est d'accord aussi, elle peut pas escalader comme une sauvageonne. Bon, on est d'accord. Je pense que c'est en face qu'il faille sauter, tout simplement. C'est effrayant, mais ouais, c'est ça. Merdôme. Faut qu'elle se baisse. Voilà. Ah, bah voilà. Attendez, je. Ah non, c'est un truc Westbrook. C'est Patty, mon kiki. C'est beau. Wow. J'aime bien comment qu'elle s'est mangé le toit, Lara Croft. Là, elle a dégusté de la tuile, là, je vous le dis tout de suite. On a entendu le gémissement de quand elle a amorti son arrivée. Qu'est-ce que c'est que cette statue? Qui attend une clé, d'ailleurs, dans son piédestal. Non, certainement Non. pas l'artefact. C'est là où on se dit, mais elle est grande, Lara Croft. Non, c'est les fenêtres qui sont super basses. Même un gamin de 4 ans, il peut être vu derrière le pot de géranium, là. À cette hauteur-là. Évidemment. Ah, si, elle peut. Ah, j'ai cru qu'elle pouvait, mais non. Je vais sauvegarder, là, parce que je voudrais pas me recoltiner ce que je viens de faire. C'était assez technique. Oui, quand aller chez les cannibales en Amazonie, il me semble. Ouais, il y a un dialogue avec la belle voix de Françoise Cadol, nous dirait FunFan. Ouais, elle dit. Eh oh non, je suis au régime. Elle conteste le propos de l'individu. Non, 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 elle essaye de rester poids-plume, Lara Croft. Merdoum. Wow. Ah. Hein? C'est une autre statue similaire? Mais là, on. Ah non, c'est une placette, ouais, non. On va peut-être pouvoir y aller. Ça me fait marrer de me dire que c'est la représentation de l'île de la Réunion. Je trouve ça génial que la belle anglaise soit en territoire français. Qui plus est dans les dom-toms. Ça m'amuse. Bon, en dehors de la flotte qu'on aura vue au pied de Lara, je désespérais de trouver un autre endroit à. Mais c'est magnifique. J'adore. Ça fait carte postale, hein. C'est vraiment sublime. Je désespérais de trouver un endroit où elle aurait pu crapahuter. Bah là, peut-être. C'est étrange comme. Ah oui, c'est vraiment étrange comme. Non, bah non, non, mais il n'y a pas de miracle. Faudra que je revienne ici avec une clé. Mais bon. Bon, bah on va à la flotte. Ah, je crois que c'était la flotte. Ah bah bravo. Oh. De la pertinence d'y aller à reculons. Ah, oh, c'était piégé. Qu'est-ce que je fais, moi? N'importe quoi. Alors, la narration du me surprend dans le sens que on retrouve cette énigmatique matière
turquoise qui brûle, qui pour moi est de l'uranium en fusion, si ce n'est la matière dont était composé le dit météore tombé en Antarctique. Et je suis nul. Oui, aïe, tu l'as dit, Christella. Mais j'ai du mal à faire le lien entre le tunnel sous la Manche où on était avant et de me dire que ça se passe sur l'île de la Réunion qui est dans l'océan Indien. C'est. On aura vraiment fait les quatre coins du globe là. Rien que dans l'Opus 3, ça aurait été un festival. Et du coup, bah, quand on va faire le 4, en fait, on va bouffer de l'Égypte, puisque 95% des niveaux se passent en Égypte. Putain, mais c'est pas possible. Ou alors il faut que je cours. Parce que le plafond est tellement bas que je peux pas sauter, en fait. Tac. Et je fais quoi? Je cours bêtement? Non, bah non. Ou alors il fallait que je tente de me raccrocher. C'était limite, elle aurait eu juste les semelles des chaussures à 1 cm de la substance qui tue. Je comprends plus là. On est bien d'accord, j'ai rien à faire là. J'ai rien à faire là. Bon. Déjà là, c'est un doute qui est soustrait de ma mémoire. Latéral, oui, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Oula, marchons prudemment. Il y a un dégradé de couleur, c'est magnifique. C'est quoi que je vois là? Il y en a un deuxième. C'est quoi ce délire? Waouh, c'est plus fort qu'X-Files. Qu'est-ce que c'est que ce truc surnaturel? Ne va pas me dire que c'est un boss qui va s'animer. Attends, je vais lui faire face. C'est une blague. Ah, remarquez, on reconnaît les mecs qui sont plantés l'artefact dans le bidon pour avoir les super pouvoirs. Donc ça, c'est un ancien fou furieux qui est devenu maboule à cause de la proximité avec la matière extraterrestre. C'est un ancien humain qui s'est pris pour un dieu, quoi. Il s'est planté l'artefact dans le bide. Et voilà le résultat. Une fois que l'artefact se sépare d'eux, bah, quick. Ils ont une mort crucifiée très spéciale. C'est de l'art. À ce niveau-là, je reconnais que c'est de l'art. Hein, mais alors, c'est vraiment psychédélique. Je suis tellement décontenancé que je sais pas quoi faire. Je saute sur le truc, il se passe rien. Non. Non, déconnez pas. Oh, c'était ça qu'il fallait faire. Ok. Ne me dis pas que le mec va revenir à la vie quand même. Ok. C'était quoi ce délire? Attendez, je vais peut-être visiter les alentours. Oui, il y en a d'autres. L'endroit se visite après tout, non? Voilà les spécimens. Ah, c'est du délire.
Maybe. On est bien d'accord, elle va là-dedans, elle meurt. Ah ouais, c'est même pas de l'eau en fait. Elle a touché le fond comme une pierre. Non, c'est une substance presque gazeuse en fait. Putain, c'est trop bizarre. Je comprends pas le lien entre... Ça m'ouvre une dimension parallèle? Parce que le coup du gros boulet qui m'arrive dans la tronche... Là, normalement, derrière moi, il y avait un truc. Bah, il y a toujours un truc. D'accord. Il s'est passé quelque chose. Ça a ouvert sur les côtés. On est dans une dimension parallèle, là. C'est au-delà du réel. Je ne réponds plus de rien. Qu'est-ce que c'est que ce... On dirait une patinoire, le machin. Non, je peux marcher dessus? Ah ouais. Wow, c'est du délire. Ah ouais, c'est du délire complet. Pourquoi pas? Mince, du coup j'ai pas. Faut que je sauvegarde après le. Ah bah attendez. Attendez, on va faire le truc de logique. Oui, non, il n'y a rien sur les côtés. Là pour le coup, c'est murmure. Putain, le mec, la tête du gars. Et là, il y avait ouais, le truc bizarroïde que j'avais vu sur le côté. Bref. Donc faut lui reloger l'artefact dans le bidon. C'est pas ce qu'il ramène à la vie. Encore plus si ça, on ne le voit pas. Et le météore qui nous arrive dessus. C'est surréaliste. Ça a attiré illico presto le météore. Putain. Ah, je verrai plus l'île de la Réunion comme avant. Waouh. Ah, on dirait que le météore est dans le ciel. Oh là là. Waouh, c'est complètement psychédélique. On se croirait presque un peu dans l'ambiance, vous savez, de... Oh merde! Dans l'ambiance de... Comment ça s'appelle? Le 2, vous savez, dans la muraille de Chine, là. Là, avec le dague de Xi'an. Merde, je suis tombé. Un monde parallèle en fait. Une autre dimension. Hein? Voilà, pour le coup, on peut saluer l'imagination des concepteurs du niveau. Ça va loin quand même dans leur délire. Hop, pour les boulets. Je peux sprinter, c'est long. Ah oui, on va le bouler en face. Donc si je fais pas l'idiot. Oui, Réunion, ouais. Peut-être pour l'île de la Réunion. Hop là. Ah merde! Oh, il est vachement large le boulet, il m'a télescopé quand même. Alors qu'on voit le portrait de la folle qu'on avait tuée à Londres. Il y a toujours des trucs mystiques ou une autre dimension dans les Tomb Raider. Ouais, effectivement. Mais je découvre totalement, hein. Je connais pas. Là, à partir de maintenant, à part le Tomb Raider où elle mène l'enquête, là, Ange des Ténèbres, que j'ai fait, j'ai cru comprendre que j'avais fait il y a longtemps, aux trois quarts. Alors quand j'ai dit il y a longtemps, c'est que ma mémoire s'est effacée. J'aurais que des bribes de souvenirs quand je le referai.
Et j'ai fait un peu quand elle est petiote sur les traces de Lara Croft, quand elle a des petites nattes, qu'elle a à peine 10 ans dans son enfance. J'ai ça aussi, il y a longtemps que je l'ai fait celui-là. Donc j'ai que des bribes de souvenirs, quelques visions de niveau et c'est tout. Donc je vais redécouvrir. Et l'extension là, sans déconner, c'est de la pure découverte. Et je peux pas. Ah bah non, merde, je suis dans le vide. Là que c'est pas bon. Pas évident le coup du boulet là. Attends, il faut que je. Hop, je mette le pied là et que je me barre comme ça. Voilà, bon, faut pas chercher midi à 14h non plus. Tac. Je prends les munitions. Hop là. Pas que je m'avance trop parce que je suis tombé dans le vide. Encore que. Ah non, attendez, il y a encore un truc en lévitation là, au-dessus du vide. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Attendez, je sauvegardais. J'ai pas rêvé. J'ai bien vu un objet en. Attendez, on va y aller à pas feutrer. Si, elle peut marcher au-dessus du vide. Enfin, c'est délirant. J'ai gagné le lance-grenade, je vais pas m'en plaindre. Ok. Bon, bah je pense que la suite est là. Quoique non, je peux revenir sur mon lieu de départ. Alors je vais sauvegarder parce que du coup j'ai le doute. Je suis en train de me dire lequel des deux endroits il faut aller. Là en face je suis pas allé. Et là je pense que c'est mon point d'origine. Mais je pense qu'ils ont fait en sorte que je puisse pas revenir. Je peux pas revenir à la volière et le zoo là qu'on a fait. Non, non, c'est fait de telle manière, ouais, le niveau est bien pensé. Ah! Je dis pas non. Le petit jeu de torche en cadeau. Non, non, ils ont transformé les lieux pour que. Elle a plus le droit d'y mettre les pieds, ouais. Non, c'est astucieusement bien pensé. Je pense qu'il va y avoir du grabuge quand je serai en haut des escaliers. Parce que ça fait vraiment. Il y a quelque chose de royal là dans le. De majestueux dans le. Ah bah, il y a encore un mec en lévitation au bout, tu vois. Ouh! Espérons que ce soit pas un chemin de croix. Ça sent le boss, mais je serais surpris de me dire qu'il y aurait le retour de la blonde là. Parce que de voir dans l'écran de chargement la blonde, qui normalement a fini désagrégée à Londres, souvenez-vous, à la City. Au sommet d'un immeuble londonien, en duel contre Lara Croft. Ou alors c'est sa sœur jumelle. Pardon. Attends, mais c'est un tatouage ou c'est des cicatrices de d'avoir essayé de se planter l'artefact dans le bidon comme tout le monde, oserais-je dire. Attendez, je vais allumer une torche exprès pour identifier le cadavre. Je sais pas si c'est une blessure, une énorme cicatrice ou si c'est un tatouage. C'est vraiment étrange. Ok, tout va bien. On reste calme, on respire un bon coup. Que dire? Restez pas planté là? C'est du délire. Wow, il y a le rayon rouge là. C'est quoi ce délire? Même le décor, on voit, c'est un truc mortuaire avec des crânes. Elle a dégusté un mets local sur la réunion qui est pas passé là ou
Lara Croft en plein trip. Je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi faire non plus d'ailleurs. On est bien d'accord, c'est le précipice. On est d'accord. Attendez voir. Là, je ramasse une munition. Je sais pas si j'ai l'arme. Je fais une presse par faire vœu d'avoir l'arme correspondante. Parce que je sens que ça va barder pour Lara dans peu de temps. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Apparemment, je peux descendre là. J'ai l'impression qu'on me suggère de descendre. Voilà, très bien. Là, c'est de la terre ferme. Ah bah, il y avait un escalier, il n'y avait pas besoin de faire une cabriole. Ça ne se refuse pas. Attention, ça commence à suinter au niveau de la substance non identifiée. Pitié, Lara. Allume une torche au phosphore. Merci. Parce que là, j'y comprends plus rien. Et je n'y vois plus rien. On est bien d'accord, ça, tu peux pas le déplacer. Ouais. Ça t'inspire que quick. Voilà, je pige rien du tout. Je vais faire le constat qu'auraient pu faire nos amis québécois. C'est asymétrique. Il n'y a pas la même chose de l'autre côté. Quoique. Ah, quoique. Mais y a rien sur les bords là où c'est. Ah non, c'est la mort. Heureusement d'ailleurs qu'elle avait pas de pied parce que elle serait morte. Là, il y a des cavités, j'essaie de deviner le moindre endroit. Là au-dessus, il y a un truc, il y a un passage. Il y a quoi? Merde, la torche va s'éteindre. Ah, Lara! Fais-moi la promesse que dans l'opus 4, tu as des torches qui durent plus longtemps. C'est trop cool. Elles coûtent cher, les torches. Elles sont trop rares. Sniff. Souvenez-vous d'ailleurs dans mon. Dans mes déambulations dans cet opus hors extension, je m'étais retrouvé sans torche à un moment donné. J'en avais tellement utilisé que j'ai fait tout un passage dans l'obscurité, c'était vogue la galère. Bon, je gagne des objets, mais j'ai pas compris ce qu'il fallait faire. Et puis là, on est bien d'accord, elle a plus rien sur elle là. Ah oui, elle a plus rien, elle a plus d'artefacts, elle a que puik. Je reste dubitatif. Ou alors faut faire le grand saut. Il y a... Mais non, mais c'est du suicide. On va sauvegarder. Je vais tenter de faire un grand saut, mais ça me paraît pas du tout logique. Pardon. On est d'accord. C'est pas ça qu'il faut faire. Papa, 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 papa. Titi. Attendez, il y a quelque chose qui... Est-ce qu'il y a une signification? Avoir des mecs la peau naturelle et de voir l'autre là en suspension d'une couleur bizarroïde, on dirait presque un extraterrestre, si je puis dire. Est-ce qu'il n'y a pas une signification? Il faut que j'essaye de toucher le... Non, c'est pas ça. Je me demande si je suis pas face à une énigme en fait. Ou est-ce le contraire? Il faut passer là où il y a les mecs...
à la peau normale en fait. Wow, ce saut! Je m'attendais pas à ce qu'elle saute aussi bien. On aurait dit un numéro de cirque. Attendez, je vais essayer de me mettre bien en face du gars. Faut qu'elle se rattrape au mec. Non, c'est surréaliste. On est d'accord, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est du surréalisme. Enfin bon. Oh pardon, j'ai pas lu, tu m'as écrit un truc, ma pauvre Christella. Oula, tu m'as écrit un truc il y a 10 minutes, t'as même pas lu. Pardon. La trilogie anniversaire Legend of Underworld est excellente car l'histoire se développe dans les 3 épisodes. D'accord, alors, faut rien me dire, je sais juste qu'il y a un lien avec sa mère, c'est tout. Je crois qu'ils ont essayé d'humaniser Lara Croft avec ses parents, voilà, la rendre plus humaine en fait. C'est tout ce que je sais et je veux pas en savoir plus. Merci de pas me divulgâcher l'intrigue. Merci tout plein. Mais je serais amené à le faire, hein. T'en fais pas, Christella. Alors, ce que tu cites là, la trilogie, je pense que j'attendrai d'avoir un ordi puissant pour le mettre à plein gaz au niveau graphisme. Et de toute façon, d'ici là, Lara Croft, on aura le temps de faire muse avec. Je me permets de vous rappeler que j'ai trouvé en fouinant sur internet, et merci à Twinsen qui m'a aidé à trouver des sites de fans. J'ai grappillé tous ces sites de fans pour récupérer, vous savez, les niveaux faits par les fans avec l'éditeur de niveau. Et j'ai trouvé pas mal de niveaux. Je me suis fait un DVD de 2,5 Go. J'ai trouvé 230 niveaux, plus une trentaine d'histoires. Alors, d'histoires, ça veut dire une succession de niveaux de manière cohérente. Donc, il va y avoir du bon et du pas bon, je présume, hein, puisque c'est fait par les fans. Il va y avoir un peu n'importe quoi. Mais ce qui veut dire que moi, en tant que enfin fan, j'aime beaucoup Lara Croft. Régulièrement sur ma chaîne, dans les années à venir, je vous ferai un petit peu de Lara Croft avec les niveaux des fans que j'ai su grappiller sur le net récemment. Ce qui restait sinon, je vous cache pas que 90% des sites sont morts depuis tant d'années. Mais je suis content d'avoir retrouvé pas mal de créations des fans. Et je les ferai sur mon antenne, j'y tiens. Et puis on arrivera à la trilogie, je sais pas quand, où j'espère vous la découvrir avec vous, en mettant les graphismes à fond, le grand luxe, quoi, sur un nouvel ordi. Bon, je finis par être dissuadé de passer. J'ai envie de rebrousser chemin et voir si j'ai pas loupé un truc. Oh, merde! Le gadin stupide. Je comprends. Ah, j'avais pas fait gaffe. Mais en face, il y a un autre mec avec les yeux rouges incrustés dans le mur. Ou alors, je vois un petit peu de gaz là. Ça veut dire que je peux sauter là? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Merde, c'est quoi l'astuce? Il faut retourner là où les deux météores sont tombés au centre? Et j'aurais loupé un truc? J'ai loupé une manivelle, je sais pas quoi, un bouton. J'ai pas d'intérêt à sauter sur la plateforme du centre, si? Ah non, il se passe que puique. C'est trop bizarre. Ah non, on est vraiment. D'ailleurs, je crois que c'est la même musique, je crois la reconnaître. La musique d'atmosphère du monde parallèle, la DAC de Xian. Ils ont recyclé leur musique du 2 dans cette extension du 3. Ça le fait, hein. Franchement, l'ambiance est posée, mais ça m'inspire pas pour autant la soluce de ce qu'il faut faire. Elle peut pas aller en face, c'est trop loin là-bas. Là. Ah non, puis le plafond, elle va se péter le plafond si elle fait un saut de ma boule. Non, ça va pas, c'est pas ça. Ça peut pas être ça.
y a un truc que j'ai loupé sur les côtés, il y a un truc qui m'a échappé. Non. Non, non, c'est pas là. Bah merde alors. Je suis largué. Attendez, je regarde. Ouais, il est midi 5, ça va encore. Est-ce que j'ai bien tout vu sur les côtés? Alors attendez, il me reste combien de torches? Parce que je sens que les torches, je vais les fumer là. C'est censé être le dernier niveau, donc... Ah, j'en ai 124! Ça va, j'ai de la réserve. Autant... Je vais me faire plaisir, je crois que je vais pouvoir en fumer quelques-unes là. Hep, 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 hep. Mais si, la torche a mis en évidence un... Il faut que j'aille à la torche. Ah, c'est la torche qui me permet de déclencher un phénomène physique. Oh la vache! Malin! Oh là là! Excellent! Wouah! J'ai cru qu'elle allait finir cramée, la malheureuse. Wouah! Je vais sauvegarder tout ça. Youlala, c'est super mortuaire, il y a des crânes partout. Ok, on avance. Bon, allez. Je suis pas. Hein? On manque de torches, on l'aura compris. Oh là là, c'est de plus en plus vertigineux. Oui, j'ai compris, il faut passer en face en se coltinant le truc de flamme. Ouais, c'est ça, il faut que je passe sur l'extrême bord et puis. Ils sont chiants. Merde au mieux. Allez, le machin passe, gigot. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Elle est là, la vilaine! Ou alors c'est sa sœur jumelle, ou alors je sais pas comment elle a ressuscité avec la désintégration. Ah ouais, l'autre blonde, elle est là. Oh non! Elle est vraiment immortelle. L'autre, tel un phénix, apparemment, elle s'est reconstituée. Non, mais non, mais non! Mais non, j'aime pas! Oh, elle a retrouvé son bâton. Alors là, je sais pas comment la confrontation va se finir, mais pardon, je vais être très indélicat. Mais son bâton, je vais lui loger là où je pense. Hein. Parce que j'en ai marre. Oh non! Elle est presque plus chiante que Natla d'Atlantide. Et Natla d'Atlantide, souvenez-vous, elle était complètement déjantée. Bonjour, Phobos. C'était une grande malade. Oh là. Ah, elle doit se recharger. Ça me laisse le temps de faire je sais pas quoi. Aïe, ça fait bobo, ça fait bobo. Oh, il y a un météore en suspension. Tout là-haut, là-haut. Qu'est-ce qu'il fait? On va recharger. Oui. Oh, wow, elle a failli désagréger là. Comme toi derrière le mur, elle est dangereuse. Elle me touche avec les éclats par ricochet, si je puis dire. Oh, bonjour David Olive, merci pour le relais de chaîne. Je sais pas sur quoi t'étais, c'est bizarre. J'ai pas souvenir de t'avoir vu en ligne ce matin. Enfin, faut dire, j'ai fait tellement de... J'ai fait tellement de manip, quoi. Alors que je voulais rejouer à Last Hits. Quelle horreur. Et... J'ai pas vu leur passer, en fait. J'espère que tu vas bien, David Olive. Merci pour le relais. Bah oui. Hello, mon cher David Olive. Je suis curieux sur quoi t'étais. C'est bizarre, je t'ai pas vu en ligne enfin, tout à l'heure. Ça fait déjà quelques heures. Oula, elle a marché. C'est un relais de chaîne. Merci. J'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Bienvenue. Bienvenue. Pourquoi je peux pas approcher? Oh.
Il est chiant son artefact à celle-là, la blonde là. Oh, Ninja Gaiden Sigma, t'es masochiste? Oui, ah, c'est bon, le nom je vais plus dire. Ah ah! Oh là là! Oui, c'est. Oula, il faut se les coltiner les Ninja Gaiden. La vache! Le champ de force qu'elle a généré avec son artefact, ça a tué Lara. Et un petit peu graphique. Le mec a disparu dans le décor, je me trompe. Je ne me trompe pas. Elle fait son. Elle est juste au-dessus. Hein. Alors, souvenez-vous, on l'avait neutralisé là sur les toits de la cité en l'électrocutant. Le problème, c'est que là, je vois pas comment Lara peut l'électrocuter. C'est un mystère. Je me demande si allumer une torche telle un cierge va m'aider. Essayons. Je peux voir des trucs qui n'apparaissent pas normalement aux yeux. Ah non, je peux pas y aller. J'attends le moment où elle se recharge. Voilà. Et là, elle peut pas me stopper. Ah si. Je comprends pas là. Je vais recharger parce qu'elle a perdu de la vie bêtement. J'ai pas compris là. Ouah, c'est le grand final du jeu contre la blonde. Si, attendez. Attendez, attendez. Il y a largement à escalader. Évidemment, le fait d'avoir des tirs nourris à essuyer, ça me met forcément en panique. Il n'aurait pu en être autrement. Oh non! Oh! Wow! Ce meurtre! Horrible! Wow, c'est du délire! Merde! Oh bah dommage! J'avais une occasion en or d'escalader le truc et j'ai mis le pied là où il fallait pas. Une chanson, c'est pas vrai. La chanson auprès de ma blonde, auprès de ma blonde, non, je suis allé trop tôt. Ou trop tard, à vrai dire. J'ai pas écouté en chantonnant. Bien fait pour ma tronche. J'étais parvenu la première fois instinctivement avant de me faire fusiller dans le dos par la vilaine. Oui, c'est pire qu'une attaque de sniper. Oui, c'est ça. Dragon Sky, si t'as observé tout à l'heure, c'est que j'étais planqué dans un angle mort par rapport à mon assaillant. Mais ça ne m'a pas empêché de me causer des dégâts rien que par les éclats au sol de l'explosion du missile. Ça c'est simple, je suis allé au bon moment et ça s'est bien passé. Sauvegarde, alors là je sauvegarde, j'en ai rien à péter. Non, ça va, j'ai encore pas mal de vie. Je vais pas tout de suite faire usage d'une trousse. Ah ah, on progresse, on progresse, on progresse. A mon avis, il faut aller tout en haut, et puis c'est tout en haut qu'il y a la grande confrontation finale de tout le jeu. La vache, la puissance de son truc. Hein. Non, là je peux rien faire. Oui, non, c'est pas aller en face. Ah non, mais faut que j'aille en haut. Oh là là. Elle est déjà à l'étage supérieur, je présume, la bombe. Oh mon dieu! Cette chute de météore, c'était complètement what the fuck. Oh!
J'ai eu très très chaud. Ah! J'ai encore très chaud. Une plus de soins, c'est pas comme si c'était une grosse. Oh. Oula, faut que je me barre parce qu'elle va me. Elle va m'avoir à l'usure, hein, la vilaine. Ah, il y a une manivelle là. Mais tout est mortuaire, même au mur, il y a des signes de mort. Oh. What? Oulala, là là, ce plan est. Mythique. On va dire ça. Oulala. Là là. Hein? Wow, il y a un boys band là, c'est quoi ce délire? Wow, mais c'est horrible. C'est quoi ce gangbang? Mais arrêtez. En fait, c'est une tribu de sauvages, on est dans leur grotte. Voilà, c'est du tout cuit. Hum, hum, hum. Que dire? Que faire? Je ne sais plus. C'est du délire. Vite, barre-toi là. Merde, elle a flambé, je crois. Oui, elle a flambé. Po-po-po-po-po. Alors, on a bien compris que c'était une ascension qu'il fallait réaliser, mais bonjour les conditions. Ah, il y avait une pousse de vie, j'avais pas vu qu'au premier plan il y avait une pousse. Mais j'aurais pas. J'oublie le truc avec les flammes, moi. Ah, puis il y a un levier, ça veut dire qu'il faut que je prenne le temps de les zigouiller. Bon, alors, j'ai quoi comme flingue? Mmh. Oh! 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 Que dire? Pardon, je vais boire un coup. J'ai les deux meilleures armes, j'ai le lance-grenade et le lance-roquette. Vous saurez à qui je réserve. Alors, rien que le lance-suppositoire, ça me met en joie. Elle va l'avoir son bâton là où je pense. Je vous le dis, hein, je vais être prêt. Hein, voilà, censuré. Alors, je me sens mieux tout d'un coup de savoir que j'ai tout cet arsenal. Je ne verrai plus jamais de la réunion comme ça. Il me pousse les sabots. Voilà. Je leur ai réglé leur compte. Oups. Eh. Oh. Oh, le tir fait long, vous avez vu ça? Et je me mange des dégâts, quoi. La pauvre Lara. Alors, où est-elle? Ah bah d'accord. Elle était quasiment morte, là. Oh la pauvre vache. Ah, elle est harmeuse. Mais non, mais elle m'arrive même à me viser au fond de la grotte, quoi. Mais c'est abusé. Oh là là, on se croirait dans la guerre des étoiles là. Là là, c'est Lara Croft contre un X-Wing là. Oh là 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 là. Ah bah. Faut qu'elle recherche son joujou. Ça me laisse le temps de passer. Alors. Voilà. Bah alors, je pensais qu'elle avait astucieusement. Non, elle veut pas. Non, pardon, Dragon Sky. Je sais plus si j'avais. Non, oui, j'ai dû interdire le dépôt de liens. Mais c'est pas grave, c'est gentil, merci. Au pire, j'ai une rubrique dédiée dans mon Discord. Oui, t'es sur mon Discord, oui, t'as déjà le lien. Merci tout plein, c'est très gentil à toi.
Il faut voilà, les déposer dans le Discord. Et du coup, je m'engage, c'est toujours un plaisir. Dès que vous me faites des clips, ils sont automatiquement insérés dans ma compile. D'ailleurs, si j'ai le temps, cette semaine, il faudrait que je me réserve une soirée pour... J'ai plein de clips en retard. Et si je dis pas de bêtises, je crois que j'ai déjà une demi-heure de clip. Sans déconner, j'ai un rythme de... Là, en ce moment, j'ai un rythme de 3-4 mois égale une compilation d'une heure de clip. C'est dire les bons moments qu'on passe ensemble. Hein. Il y a entre les bugs, les âneries que je débite, les erreurs commises. Merde, parfait. Bref, c'est pas perdu. Mais merci tout plein. Je vais sauvegarder. Je vais sauvegarder. Restons zen. Alors si je vais là, elle va me saucer. Ah, je crois savoir qu'elle pourra pas aller plus haut. Là, c'est vraiment duel au sommet. Oh la vache, elle arrive à me faire mal, la pauvre vache. Ah, elle est tenace. Donc je suis arrivé par là, je crois. Merde, c'était le moment important pour regarder. Dis-moi que tu peux le faire. Merci la ratine, chef. Qu'est-ce que c'est que ces inscriptions au mur? Non, là vous bluffez, il n'y a pas ça sur l'île de la Réunion. Bon, j'ai jamais mis les pieds en frais, mais... Là normalement je suis derrière elle. Donc c'est une nunuche. Oui, c'est une nunuche. On est d'accord. Merde! Je pensais pas y aller reculer. L'authenticité là. Regardez-moi là. Non mais franchement. Toute cette hargne qu'elle a contre O. O. Oh! Je peux pas y aller. C'est un mur invisible en fait. Ok. Je ne sais plus quoi dire. Ah, ce serait la sortie, le grand final. C'est une trappe, ça, c'est une porte. Là, y a... Aïe 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 aïe, j'aurais pas dû rester exposé. On peut dire qu'elle m'a allumé la vilaine. Ah, c'était si le truc, là pour le coup. Bon, alors, préparons la véritable confrontation. Je ne résiste pas à l'idée de lui allumer la face. Oh, allez, je vais commencer au grenade launcher. Petite grenade. Petite sauvegarde. Et là, on va se faire plaisir. Réglons nos comptes avec la blonde. Ah, la vache, la vache. Non. Je sais pas si j'arrive à la viser. Pas certain. Je l'ai plus ou pas? Je suis pas convaincu. Bizarre. Merde. Je pensais qu'elle allait s'agripper, mais non, elle a dégainé l'arme. C'est débile ce que je viens de faire. Mais je suis un peu décontenancé là. Je m'attendais à pouvoir la saucer, la vilaine, mais pas du tout. Quand même pas qu'elle arrive à ses pieds. Bah non. Elle m'envoie son champ de force, la pauvre vache. Elle peut rien faire, la pauvre Lara.
La précédente confrontation, elle y est restée avec une électrocution. Je peux même pas attendre que la foudre lui tombe dessus. Non. Parce que le temps est pas spécialement à l'orage. Bon, excepté un peu de foudre. On aura Ah bah c'est du propre. Mince, comment je peux faire pour me débarrasser de l'adversaire? Si je repasse sur le côté. Merde, homme. J'ai mis le pile là où il fallait pas. Je vais prendre le temps de bien observer le niveau. Parce que... Non, elle est dans le gaz là avec les... dire qu'elle est dans le gaz. Avec les vitaux en mutation. Je vais m'approcher de la fosse centrale là avec une torche. Ça va peut-être me révéler un truc que j'ai pas vu. Ah oui, merde, ça va te faire passer par là. Je pensais pendant la course-ci, mais j'avais déjà oublié de faire ça. Mais non, il n'y a rien, il n'y a, pas de dalle. Merde. Je pensais qu'elle allait pudiquement ne pas mettre le pied dans la substance mentale. Il y a rien, on voit pas de dalle ou je sais pas quoi. Non, bah je pense qu'il faille que j'aille sur les côtés et que j'allume littéralement. Mais du coup les armes de correspondent pas quoi. Est-ce que l'Uzi serait de circonstance? La chaîne, Alors attends, Lara Croft est quasiment morte. Oui, il me faut un autre flingue là. J'ai plus de munitions. J'espère qu'elle va bien gérer en sautant le petit assaut. Si, assis, elle va. Je sais pas comment je peux faire. J'arrive bientôt, hein, si je dois vider mon jardin de 500 balles. Dans 10 minutes, je vais. Attendez, je vais hop, trousse de soin. Là j'ai rien pour les. Elle a pris ce qu'il y a. Immortelle cette femme au bâton magique. Bah j'ai l'impression, oui. C'est pour ça que je dis que la confrontation c'était l'exécution par le sol qui m'avait permis d'aller. Apparemment elle est renaissante, elle a visiblement trouvé une mentalité. Sauf que là je n'ai pas de quoi la vie. C'est marrant comme la race.
merde. Je peux reprendre la question plus de vie. Je vais lui défoncer un peu de plus d'acier. T'es pas mort. Oh là, ça c'était du gadin. Hein. Mais non, c'est pas ça. Donc la solution est ailleurs. Il faut quand même pas que j'aille à la confronter à la main en lutte quand elle recharge son bâton. Hein. Si. Là elle recharge le truc. Ouais, elle fait 100 de force là, c'est pas la main. Je finirais bien par trouver. Mais je reste interrogatif dans les deux. Ah, qu'elle est chiante. Voilà. Là, ah si, elle peut me repousser pendant qu'elle se leur charge. Donc c'est pas ça. C'est pas la bonne solution, le truc. Merde. Comment je fais pour la patater? Il n'y a rien derrière elle. Il n'y a rien de particulier devant elle. Ah merde, je pensais qu'elle allait sauter, mais pas du tout. Bah, merde, j'ai mis le pied où il fallait pas. Alors, suggestion du niveau roquette. Il faudrait que je la sauce vraiment au lance-roquette. C'est la condition sine qua non pour la tuer. Elle est allergique au... Ah oui. Ah oui. Ah, c'était très con. J'aurais pas dû douter de ma volonté de me la... Merde. N'importe quoi. De me la faire au lance-roquette, en fait. Ma première intuition avait été la bonne. Voilà, la suggestion des développeurs du niveau, le lance-roquette, en fait. C'est ça qu'il fallait lui faire déguster. Je vous dis, c'est bizarre qu'il y ait autant de requêtes. Ah bah tiens, il y a une trousse de soins en face. Et la porte derrière doit s'ouvrir. On est d'accord. Voilà, la fin du niveau est là-bas. Mais je ne résiste pas à l'idée de faire le plein de munitions. Oh non, la mini-pile où il fallait pas. Oui, merci pour les GG. Merci, merci. Ah non, un grand final, et oh, qu'elle récolte toutes les roquettes et la trousse de soins, là. Je vous cacherai pas que je voudrais pas mon plaisir à la voir mourir plusieurs fois. Merde. Vilaine. Ah bah. Une roquette symbolique dans la tronche lui suffit. J'en avais tiré deux frénétiquement la première fois, mais... D'accord. Ok, faut lui faire gober la roquette. Pourquoi pas. Allez, j'aimerais finir le niveau proprement. 4 roquettes supplémentaires et une grosse trousse de soins. Maintenant qu'il n'y a plus la menace de la blonde. Ah oui, je comprends. Effectivement, il n'y a pas de jonction avec le... J'aime bien la substance qui va dans le vide. Oui, d'accord. Oui, plan de caméra pour dire ça, il faut le faire déguster à la blonde. Ouais. On a compris. C'est marrant, on dirait qu'il y a un truc en dessous. Vous avez vu? Ça donne vraiment le sentiment qu'il y a un truc en dessous. Alors cette eau turquoise, en fait, c'est... On est dans un monde parallèle sur l'île de la Réunion en France. Tu ne rêves pas. Déjà qu'on voit les mecs en lévitation dans les gaz du météore. Tu vois qu'on a retrouvé un météore sur l'île de la Réunion. Et en fait, c'est des émanations de gaz et de substances éthérées, on va dire, du météore qui produisent cet effet-là. Il faut évidemment... éviter au maximum les interactions avec cette substance. C'est marrant, ça me donnait vraiment l'impression que je pouvais y aller en bas. Bon, j'ai pas le niveau, hein, je vais pas la tenter. Mais...
Et du coup. Oh! Elle a mis le pied là où il fallait pas. Sniff. Non, non, c'est vrai que c'est pas évident du tout. Voilà. Tac, 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 tac. Et puis je pense que dans 5 minutes, on aura clos l'extension, quoi. Vachement bien. Waouh, ouais, pas évident, hein. Oula, c'est pas ce que je voulais faire. Heureusement que ça s'est bien terminé. Je pensais faire un pas chassé latéral, pas un saut latéral. Non, mais je t'en prie, Froboz. N'hésitez pas à poser vos questions pour peu que j'aie la chance d'avoir la réponse. Mais ouais, non, mais ça fait partie de l'ambiance psychédélique. Merde. Je voulais faire un saut. Oh là 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 là. Lara Croft qui se met à sprinter. Ou presque. Oups. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. C'est la classe. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Ils sont fous, eux. Ils ont mis des déclencheurs partout. Elle est morte, la malheureuse. On l'a eu. Mais ouais, quand il y a un effet doré là dans la substance magique. Généralement, c'est les concepteurs du niveau qui attirent le regard et l'attention du joueur. La dernière fois que j'ai fait ça, ça m'avait permis d'ouvrir l'énigmatique serrure de la trappe pour accéder justement à l'île de la Réunion. Mais bon. Bon. Voilà. Oui, je pense que j'aurai plus de chance en passant par là. Ah, la porte est ouverte. Je vais sauvegarder. Et je crois savoir que c'est la fin de cette extension de Fou Furieux. Lara Croft a bel et bien récupéré le cinquième et dernier artefact, la main de Rat-Mort, qui était en possession en fait à l'origine du grand antagoniste de cet opus. Oula. Ce n'est pas la fin. Wow. J'ai crié victoire trop vite. Ce n'est pas la fin. Non, la plage réunionnaise. Oh stylé! Oh c'est beau! Ah oh, c'est trop bien! Oh la classe, la montgolfière façon Louis XIV, le roi soleil. Oh. Et d'ailleurs, pour faire le lien entre le roi soleil et Lara Croft qui est anglaise, et évidemment, c'est pour trouver la reine d'Angleterre qui a terminé hier d'ailleurs son jubilé, la reine Elisabeth II. Et là, historiquement, et c'est énorme, en fêtant ses 70 ans de règne, elle est le deuxième personnage historique d'une royauté à régner aussi longtemps. Le précédent, c'était donc le roi Soleil avec je sais plus combien d'années de règne, donc plus de 70 ans, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est magnifique. On va demander confirmation à l'historien ou à Stéphane Bern. Mais chose dont je suis certain, parce qu'il l'avait dit dans le commentaire au début de son jubilé à la télé là, jeudi dernier, elle est où elle va être. Ah non, c'est pas pour tout de suite. Et encore une semaine, faut qu'elle attende une semaine, je crois. À la fin de la semaine, là, elle est historiquement la deuxième personne couronnée à régner aussi longtemps. 70 ans et quelques jours. Non, non, énorme. C'est quand même dingue de se dire que de notre vivant, on aura vécu au même moment qu'un grand personnage historique.
Bon, bah je crois qu'il faille m'approcher de la montgolfière pour qu'elle se barre. Lara Croft se barre de la... Je peux pas m'empêcher d'aller sur les côtés. Il y a quelque chose sur la plage de l'île de la Réunion. Elle va se barrer de l'île de la Réunion de manière psychédélique avec un météore dans le ciel à la place de la lune. On l'aura vu. Bah tiens, on voit même encore une représentation du météore dans le ciel. C'est complètement délirant. Je pense voilà, qu'il faille toucher la montgolfière pour finir cette excellente extension du 3. Ah, une petite brasse dans l'océan. Bah je sais pas si c'était programmé, tiens, t'as raison. Ben, je laisse passer le générique, mais je vais rapidement recharger et tester ta théorie, Fonvoyeur. C'est pas pour que ça coûte. Et donc tout à l'heure, je vous redonnerai rendez-vous à partir de 14h. Là, je vais prendre le temps de... J'ai une lessive qui m'attend. Donc j'ai le temps de ma lessive, faire petite tâche ménagère et déjeuner. Je sais pas quoi déjeuner d'ailleurs. J'ai l'embarras du choix, mais il faut que je gère mes différentes options, il faut que je fasse gaffe. Bref. Rendez-vous, je pense que... Oui, merci pour les GG. Rendez-vous aux environs de 14h et on démarre à Tomb Raider 4, mais avec le niveau spécial. Du journal anglais The Times, comme j'expliquais dans le détail ce matin à ma prise d'antenne. Et ce niveau-là, je pense qu'il va nous tenir en haleine. C'est un bon petit niveau, hein. Je crois que le niveau-là va nous tenir en haleine au moins presque une demi-heure. Donc moi, ça va me faire entre guillemets un échauffement. Et après, on enchaîne sur le Tomb Raider 4 que je ne connais pas du tout. Donc ça va être... Je vais m'éclater, on va se faire l'après-midi, je pense, jusqu'à 20h-21h. Je vais être à fond avec Lara Croft dans ses aventures égyptiennes. Voilà. Wow, elle a fait 20 bornes sur l'île de... Enfin non, l'île de la Réunion, je suis bête, non, il y a eu le coup du tunnel sous la Manche. Voilà, j'aurais dit moi. Le fait qu'elle ait crapahuté à mort... Bon, ça y est, on fonce dans le... Hop. Sur la plage réunionnaise. Oh la chute. On va essayer le petit plouf dans l'eau. Petit plouf dans l'eau! Oui, t'avais raison, Frobose. Ah, il y a du courant. Oh! Oh la vache, le courant. C'est la violence. J'aurais dû y aller d'ailleurs avec une torche à la main. Non, je peux pas me barrer dans l'océan Indien. Il y a du courant. Et c'est là où vous voyez Lara Croft qui snob la montgolfière qui vient la chercher et qui se barre à la nage dans l'océan Indien. Elle est complètement barge, Lara. Avec la torche, on n'y voit pas mieux que ça. À peine. Voilà, bon. Je t'aurais exaucé, Framboise. Mais l'idée était sympa de faire une petite tête dans le. Sortir un plongeon de classe. Allez, on prend le rocher. Et hop! Yeah! Stylé! Faudrait qu'elle fasse pareil dans le 4, ce serait très bien. Elle fait peur avec son lance-roquette dans le dos. Finalement, elle va rentrer chez elle avec des flingues. Mais c'est même pas la peine, quoi. À elle toute seule, elle peut faire la guerre à toute une région. Hop là! C'était rigolo le final en piqué dans la montgolfière. Et hop, direct la tête la première dans la nacelle. C'est du délire. Enfin bon, bref. Merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. Je sais plus si j'ai eu un événement spécial sur la chaîne. Je crois pas ce matin. On était peinard que plus là, tranquille. En tout cas, merci hein, quoi qu'il en soit. Merci plein. Oui, relais de chaîne, je vais peut-être respecter la belle tradition Twitch et avoir l'élégance de faire un relais de chaîne à quelqu'un pour peu que je m'absente là pendant un peu plus d'une heure. Ouais, vu l'heure, on va vers les 13h, lessive, miam. Oh, avec un peu de chance, dans 14h, dans 75 minutes, ouais, je serai peut-être déjà à nouveau ici.
réussi à enchaîner les entours de Lara. Voilà, je vous dis à bonne petite heure. Oh, 15 secrets dans toute l'extension. Oh la vache, franchement, elle est honnête, hein, l'extension. Excellent. Oui, merci, bon app. Ouais, merci, bon appétit à vous aussi. Merci, Christella, t'as parfaitement raison. Ouais, le miam. Alors, attendez, je regarde, qui c'est qui est en ligne parmi... Ah, il y a Aero, tiens. Aero qui fait du jumping. Ah, j'ai Bazou. Bazou, ça fait longtemps. Oh là là, le pauvre. Il est tout seul sur... Ouais, mais il fait un truc bidouillé. Il aurait fallu que Bazou fasse un autre... Ah, il y a Aerostar qui tente de voir la blonde. Il l'a aperçue dans Jump King. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Jump King, le principe, c'est un jeu de mazo. Il faut maîtriser une tonne de sauts pour aller... C'est un jeu très vertical, de facto. Et la légende veut qu'il y ait une belle nana qui soit au sommet. Et il a vu la belle nana. C'est juste qu'il n'a pas pu l'atteindre. Donc là, je pense qu'il essaye en 3-4 heures de ne pas faire la grande chute. C'est un jeu... Franchement, je trouve que ce jeu est maso. C'est pas pour moi, hein. Je ferai jamais ça. Bon après-midi, tu stream cet après-midi? Oui, je stream cet après-midi, Frobose. C'est ce que je cesse de répéter depuis tout à l'heure avec enthousiasme. On va passer de Tomb Raider 3 à Tomb Raider 4. Si, revenez à partir de 14h si vous êtes intéressé de suivre les aventures de Lara Croft. Surtout que je vais démarrer pas avec le Tomb Raider 4 normal tout de suite. Je vais faire un petit, pas une extension, mais je vais faire le niveau bonus qui a été édité par le journal anglais The Times. Je vous expliquerai pourquoi le moment venu, parce qu'il y a une raison pour que le journal ait collaboré avec Eidos et Core Design pour faire un niveau spécial Tomb Raider qui se passe en Égypte. Et j'aurai des choses à vous dire, pas mal de choses à vous dire. Justement, ce niveau spécial va me permettre de faire l'introduction à Tomb Raider 4, puisqu'il y a plein de nouveautés dans Tomb Raider 4. Et on va enchaîner toute l'après-midi jusqu'à 20h-21h. Quitte à faire 6-7 heures de Tomb Raider, je m'en moque, je m'éclate. Lara Croft cet après-midi. Moi, je vous donne rendez-vous dans un peu plus d'une heure. On file voir Aerostar, qui est adorable. Et si vous lanciez un raid chez Aerostar, il est impossible de lancer un raid quand vous voulez sans devoir attendre 30 secondes. Ah, c'est le truc direct. Bon bah, bisous. Bonne app et à plus. Merci tout plein. Ciao, ciao. Non, le raid se lance pas. Bah. Alors, authentique. Attendez, je vais vous mettre ma tronche en gros plan parce que là, ça vaut le coup. J'ai le bouton. Est-ce que je peux... Vous l'avez vu d'ailleurs? Bah oui, vous l'avez vu. Vous avez vu mon interface. J'ai cliqué sur Raid. Ça ne marche pas. Bravo Twitch. Encore une nouvelle fonctionnalité que vous n'avez pas testée à fond et qui ne fonctionne pas. Je vais devenir fou. Eh ben voilà. Excellente citation qui tombe d'appoint. C'est pareil avec la blonde et son artefact bâton. La même destinée. La même. Censurez-moi tout ça. J'ai pas fait exprès, la citation tombe au hasard. Aïe. D'ailleurs, je vous ai pas demandé, il y a peut-être certains d'entre vous cet après-midi qui vont diffuser. Dragon Sky, Christella. Vous êtes peut-être susceptible de faire un direct cet après-midi. Devil Olive aussi. Merci Devil... Pardon, j'allais oublier. Merci Devil Olive pour ton relais de chaîne. Excuse-moi, groupe impoli que je suis. J'allais oublier de citer que t'es venu avec tes spectateurs. Avant que je balance le raid chez l'ami Aero, là. Non, tu diffuses pas Dragon Sky. Christella, toi-même, n'hésite pas à faire ta pub pour cet après-midi. Pour ceux qui seraient pas intéressés par Lara Croft, ce que je comprends parfaitement. Est-ce que tu penses diffuser sur ta chaîne tout à l'heure, Christella? Ouais. Ah, merci pour l'info. Tu prends... Oh, faudrait que je regarde la rediff, du coup. Tu m'intéresses. Tu prends ton antenne à 16h pour The Elder Scrolls Online. Ah ouais. Voilà, j'ai programmé le raid. Dans les 90 secondes, on va basculer chez l'ami Aero. Attends, Christella, je rebalance ton lien de chaîne. Voilà, la description de ta chaîne. Pour ceux qui sont intéressés,
Christella, donc 16h, merci pour l'info, qui va faire du TESO, comme on l'appelle chez les intimes, on va dire, du jeu, The Elder Scrolls Online. Intéressant ça. Ouh, alors là, je t'avouerai que je regarderai en semaine ta rediff. Bien, bien, bien. Devil Alive, non, je sais pas si t'es devant ton écran. Oui, je sais pas si tu refaisais une prise d'antenne cet après-midi. En tout cas, pardon, merci à toi d'avoir fait relais de chaîne. Mon pauvre, j'allais te zapper comme un gros vilain. Voilà. Allez, on va basculer tout naturellement chez l'ami Aéro, qui est Mazo. Et qui scoltine le Jump King, qui est vraiment un jeu de fou, quoi. C'est pas pour moi ce genre de jeu. Voilà, merci tout plein. Bon app! Ouais! Ouais, Tesso! Bah, peu flatteur, mais c'est l'acronyme en fait hein, de The Elder Scrolls Online. Tesso. Moi, je sais qu'il y a les fans qui l'utilisent assez régulièrement. Ouais, abréviation, ouais. 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 Allez, bisous tout plein! À cet après-midi pour ceux qui veulent du Lara Croft chez moi. Et sinon, voilà, Christella, 16h. Et puis Twitch, profitez de votre après-midi. N'hésitez pas à boire un coup, c'est ce que je vais faire. Bisous. Et merci hein, les anonymes YouTube, ceux qui regardent tranquillo, tranquillement, tranquillo, sans se manifester. Merci de votre fidélité. Allez, coupez-moi tout ça, c'est un désastre.